Je sors tout juste de la salle de Jurassic World 2 et je suis pas mécontent de cette séance. Déjà parce que je l'ai pas payé au prix fort. J'avais des points de fidélité et normalement une séance comme ça au Carré de Soie à Lyon, c'est 17 euros et je n'ai payé que 6 euros. Donc voilà, en fait ça me va parce que je voulais tester le 4DX, mais je voulais pas le tester à un prix aussi cher. Que je pense pas refaire du 4DX, même si j'ai apprécié. Mais voilà, pour moi, c'est bien une fois. Et ça me faisait un peu chier de mettre aussi cher pour ça. Donc, je suis content d'avoir pu le tester à moindre coût. Ce que j'en retiens, c'est que ça bouge pas mal. Je dirais même que parfois, il faudrait presque une ceinture. En tout cas, il y a pas mal d'effets, que ce soit les lumières, l'eau, le vent, l'odeur, les coups dans le dos. Ah ouais, ça il y en a eu pas mal. Au niveau de la lumière, des flashs, c'est pas mal au début quand tes yeux sont pas encore bien habitués à l'obscurité. Mais après, quand ça arrive en pleine obscurité, j'avais les yeux qui pleuraient. Et limite, à un moment, j'étais oh putain, il m'a fallu un moment pour m'en remettre. Donc ça, c'est l'un des seuls bémols. Avec peut-être un autre bémol, c'est que t'es pas aussi bien installé que dans un siège normal, parce que là t'as une barre dans le dos en fait. T'as un truc qui te... Ouais, c'est là où t'es pas méga confortable quoi. Mais bon, ça passe, ça reste correct. Après voilà, c'est sûr que sinon t'es vraiment dans le film. C'est agréable quand t'as des plans larges en fait, que ton siège bouge un peu comme ça, ça te détend. Il y a pas mal de vibrations en bas du dos, donc ça fait office de massage par la même occasion. Et comme là, on arrive dans des périodes où il fait assez chaud, et ben parfois, quand tu as un peu de vent, ben ça fait du bien, ça rafraîchit. Donc, non, ça a pas mal d'avantages. Ah, et vous voulez que je vous parle du film ? Bah écoutez, c'était un film divertissant. C'était un Jurassic Park, quoi. Je veux vous prouver qu'il n'y a pas forcément quelque chose à dire sur les films. Surtout des films comme ceux-là. Ce ne sont pas des films qui, pour moi, doivent être jugés. Ils doivent simplement transmettre quelque chose, parce qu'ils n'ont pas forcément quelque chose de très important à raconter. Pourtant, ils l'ont bien fait. Ils ont osé beaucoup de choses. Et je crois que je vais m'arrêter là dans la critique. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Moi, j'ai apprécié. C'était un bon film d'action. J'ai passé un bon moment. Et c'est tout. Voilà. Salut !